Donnez-moi la main et fuyons. Reprenons notre route. Le roi Lear est vaincu, lui et sa fille sont prisonniers. Allez, reprenons notre route. Bien. Allons-nous-en en prison. Nous deux tout seuls chanterons comme des oiseaux en cage. Quand tu me demanderas ma bénédiction, je me mettrai à genoux et te demanderai pardon. Et ainsi vivrons-nous en priant et chantant, et nous racontant de vieilles légendes, et rayant aux papillons d'or. Nous écouterons de pauvres diables parler des nouveautés de la cour, et nous aussi nous parlerons avec eux de qui perd et qui gagne, de qui est en faveur et de qui est tombé en disgrâce. Nous prendrons sur nous d'expliquer le mystère des choses. Ceci est un extrait du Roi Lear, réalisé par la télévision dans une traduction d'Yves Bonnefoy. Traducteur exemplaire du théâtre de Shakespeare, auteur d'essais sur l'histoire des formes et des moments de la poétique, Yves Bonnefoy est d'abord et toujours un poète. Il est né en 1923 à Tours. Après des études de mathématiques et de philosophie, il voyage, en Italie surtout, s'intéresse à la Renaissance italienne, au baroque. Il publie « Du mouvement et de l'immobilité de Douve » en 1953, puis « Hier rayant désert »,« Pierre écrite » et « L'arrière-pays ». Il collabore à la revue « L'éphémère », écrit un essai sur Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, il s'apprête à publier dans le Leurre du Seuil son nouvel ouvrage. Yves Bonnefoy partage sa vie entre Paris, la Haute-Provence et la région niçoise. Ici, toujours ici, pierre sur pierre, on bâtit le pays dit par le souvenir. À peine si le bruit de fruits simples qui tombent enfièvre encore en toi le temps qui va guérir. C'est par l'arrière-pays de Nice que débutera notre voyage, en ce lieu provisoire où réside le poète. Eh bien, félicitons-nous d'abord qu'il fasse beau aujourd'hui. J'étais un peu inquiet quand vous m'avez annoncé votre venue, car nous avons eu plusieurs semaines de pluie torrentielle, vous savez. Et de neige aussi. Et de neige aussi. Or, d'une part, je ne pouvais pas vous recevoir chez moi, car je n'habite pas dans ce pays. Je suis là avec simplement quelques valises et quelques livres. Et d'autre part, je tenais aussi beaucoup à vous emmener ici, dans cette campagne, car je l'ai fréquentée à plusieurs reprises. Et quand je suis ici, quand nous sommes là, il me semble qu'une expérience est très immédiate s'impose à nous. C'est celle de l'unité, de tout, non ? Le vol de l'oiseau et la germination des graines, ça fait une seule chose et tout signifie à partir de cette unité profonde. Et alors, c'est la poésie qui l'exprime. Il y a des poèmes dans lesquels des souvenirs, des allusions, des rapports soudain établis analogiquement entre choses permettent de sentir présente cette unité. Ainsi marcherons-nous sur les ruines d'un ciel immense. Le site au loin s'accomplira comme un destin dans la vive lumière. Le pays le plus beau longtemps cherché s'étendra devant nous, terre des salamandres. Regarde, diras-tu, cette pierre, elle porte la présence de la mort. Lampe secrète, c'est elle qui brûle sous nos gestes. Ainsi marchons-nous éclairés. Nous allons parler, nous allons dire des choses à propos de la poésie, par exemple. Nous allons aboutir à des formules. Ces formules, vous allez les fixer dans des images. Et il y a là quelque chose de très dangereux, quelque chose qui a été vécu ou éprouvé.
se retrouve soudain fixé, sans que l'interlocuteur qui pourrait mettre en question cette expérience soit là encore pour la contester, donc pour rendre ce que l'on a vécu à la libre circulation des idées ou des sensibilités dans le monde. La télévision n'est qu'un de ces médiums qui arrêtent abusivement le libre flux du monde. Oui, par le Dieu qui erre sous l'apparence d'un agneau, près de la fourgonnette, sous l'ampoule qui brûle toute la nuit. Je m'arrête, il s'arrête, j'avance et ce visage se dissipe, éclairant ma jambe qui le pousse dans le givre qui crisse au dehors du monde. Oui, par la porte qui vibre, du souffle, de l'apparence trouée, et si je sors, je serai aveugle dans la couleur. Vous devez me trouver pessimiste, peut-être, mais en fait je ne le suis pas tellement, car ce que j'incrimine, voyez-vous, c'est ce parti d'écriture qui tend à se refermer sur lui-même dans le suspens du temps et du lieu, et qu'on appelle un livre, mais grâce au ciel, l'écrivain a d'autres ressources après avoir terminé son livre. Eh bien, il peut l'oublier, il peut se retrouver dans des situations d'existence et qui, brusquement, lui font ressentir le caractère fallacieux ou insuffisant du livre. Il peut revenir du vécu à l'ouvrage. Il peut mettre en question les hypothèses du livre par les vérifications du vécu et aller ainsi vers un autre livre et ainsi de suite. Et c'est un destin qui se recherche ainsi et se trouve peut-être dans cette opération, disons, dialectique. Et cela, c'est vrai, cela, c'est le lieu où la vérité peut se produire et où l'on peut se rejoindre. Si vous voulez, j'appellerai cette recherche l'œuvre par opposition au livre. Et je dirais que ce qui m'intéresse chez un écrivain, c'est l'œuvre et pas l'ouvrage, pas le livre en particulier. C'est le mouvement par lequel chaque livre est posé et ensuite dépassé. Et ce qui advient, eh bien, on ne sait pas trop. Oui, par la vibration qui, parfois, semble finir. Oui, par la fièvre qui reprend tard dans le monde. Oui, par la voix violente contre le silence de... Par le heurt de l'épaule, violemment contre la distance de... Mais de ta foudre d'indifférence, tu partages, ciel soudain noir, le pain de notre solitude sur la table. Oui, par le soir, quand il remue les cendres de la couleur, attend à main d'aveugle la montée de la flamme sans lumière. La foudre, l'arbre qui a crié sur sa gorge nue, et toi, ce qui demeure du ciel. Ça me fait penser à des lieux que j'aime beaucoup, certaines églises ou chapelles romanes, très dépouillées, mais dans lesquelles on rencontre des retables baroques, vous savez, de ces retables qui ont été ajoutés au XVIIe siècle par des équipes de professionnels qui allaient de village en village. Alors ils apportaient toutes les ressources et tous les maniérismes, tous les ors, tous les marbres ou les faux marbres, toutes les sculptures, les stucs, etc. d'une civilisation urbaine. Et ces retables sont là, directement sur la pierre nue, à côté de grands piliers simples. Et aujourd'hui, quand nous entrons dans ces lieux, eh bien... Nous sommes touchés, non, parce que c'est comme si cette architecture simple et franche prenait ses maniérismes et ses complications dans ses mains et la guérissait, la reconduisait à l'essentiel. Et du coup, on se sent soi-même accueilli dans ses propres obscurités et complications. L'accueil se fait non seulement avec la simplicité du lieu, mais aussi avec le détour de cette œuvre extrême et complexe du baroque. Eh bien, une œuvre, c'est un peu cela, n'est-ce pas, l'architecture que la vie met en place petit à petit en nous et les complications parfois inutiles du livre. Alors il faut avoir confiance, il faut aller au-delà du livre que l'on a écrit. Oui, par la cime éclairée, une heure encore. Oui, par la main qui trace violemment le trait de la cime, sans fin, sans avenir,
parfois noyé d'une encre claire, parfois sombre, et sans place dans la lumière qui va seule, oui, par la vitre brillante, à travers quoi la main de dehors simple tend le fruit. Et cette chair est rouge, crépusculaire, on dirait que le fruit du premier arbre a terminé sa journée dans les branches de la douleur du monde, et il s'en va méditativement vers une autre rive. Oui, par ce feu, par le reflet du feu sur l'eau paisible, par le chemin de feu sous le fruit mûr. Oui, par l'après-midi où tout est silencieux et temps sans fin, le temps dort dans la cendre du feu d'hier, et la guêpe qui heurte à la vitre a cousu beaucoup déjà de la déchirure du monde. Nous dormons dans la salle d'en haut, mais nous allons aussi et à jamais parmi les pierres. Je crois que Rimbaud a eu fondamentalement raison de cesser d'écrire. Non pas que je considère que cesser d'écrire soit une solution aux difficultés de l'écrivain. On a besoin de la parole pour se recentrer, se ressourcer, être tout simplement. Mais si tout d'un coup nous sommes en situation de constater que le livre que nous avons écrit est plus impérieux que notre possibilité d'expérience, si nous devons nous dire, eh bien voilà, tels sont mes maniérismes, mes chimères, mes rêves, que je ne pourrai pas sortir de ce cercle enchanté, eh bien, mieux vaut s'en rendre compte et en tirer la conclusion qu'il faut cesser d'écrire. Je crois que beaucoup d'écrivains l'ont fait, sans qu'ils l'aient dit d'ailleurs. Comment comprendre, par exemple, autrement le silence de Racine après Phèdre ? Oui, par le corps, dans la douceur qui est aveugle et ne veut rien, mais parachève. Et assez vite, les feuillages sont plus proches, dans des arbres plus clairs. Y reposent les fruits sous l'arche du miroir, et le soleil est haut encore, derrière la corbeille de l'été sur la table des quelques fleurs. Oui, par la transparence de l'air, et ses voix dans la transparence, voix inconnues. Oui, par le vide, oui, par l'éponge qui ramasse sur la table les débris du pain et du vin. Oui, par la consommation chaque jour du mariage du ciel et de la terre. Nous cessons d'écrire à chaque instant, et à chaque instant nous reprenons confiance et nous recommençons le travail de l'écriture. Non, je n'ai jamais cessé d'écrire en ce sens que j'ai toujours eu l'espérance ou l'illusion que dans le mouvement de conscience par lequel on s'affronte aux problèmes de la vie, de la finitude, eh bien, je pourrais dépasser les formulations ou les cristallisations de sensibilité dont je ressentais l'insuffisance après la publication d'un ouvrage. Peut-être un jour viendra où je n'aurai plus cette confiance ou cette illusion. Et alors j'espère que je serai assez courageux pour cesser d'écrire à ce moment-là. Oui, par l'enfant, et par ces quelques mots que j'ai sauvés pour une bouche enfante. Vois, le serpent du fond de ce jardin ne quitte guère l'ombre fade du buis. Tous ses désirs sont de silence et de sommeil parmi les pierres. La douleur de nommer parmi les choses finira. C'est déjà musique dans l'épaule. Quand il n'y a pas d'espoir dans une existence, elle se décompose. Chacun de ces éléments existe pour soi, devient pour nous objet de méfiance. Nous avons le sentiment que le monde n'est plus qu'une collection d'objets.
de mécanismes absurdes. Bien. Et la poésie, c'est exactement le contraire de cela. C'est l'acte par lequel toutes les données de l'existence et toutes les propositions du monde sensible se reforment dans cette unité dont j'essayais de vous parler tout à l'heure. Quand il y a cet espoir profond d'être et d'être au monde, eh bien la poésie est naturelle, ou bien si elle est difficile, elle est en tout cas la seule... le seul acte naturel que l'on puisse tenter d'accomplir. Seconde étape de notre voyage, cette grande maison amie, près de Grasse, dans laquelle le poète résida autrefois. Peut-être les influences les plus fortes que j'ai subies ne viennent pas de la poésie elle-même. Il est bien évident que j'ai subi beaucoup d'influences sur le plan de l'écriture poétique, mais elles sont peut-être en grande partie inconscientes. Tandis que celles sur lesquelles j'ai été amené à réfléchir viennent plutôt du domaine de la réflexion philosophique. Le silence est monté de ton livre vers ton cœur. Un vent bouge sans bruit dans les bruits du monde. Le temps sourit au loin de cesser d'être. Simple dans le verger sont les fruits mûrs. Tu vieilliras et te décolorant dans la couleur des arbres. Faisant ombre plus lente sur le mur, étant et dame enfin, la terre menacée, tu reprendras le livre à la page laissée, tu diras, c'était donc les derniers mots obscurs. Après cet ouvrage, Pierre écrite, peut-être 4 ans ont passé sans que j'éprouve le désir d'écrire des poèmes. J'avais plutôt en moi le sentiment qu'il fallait que j'essaye de pénétrer les mécanismes de l'acte de poésie, comment il s'établit dans la conscience, quelle est sa finalité. Et j'ai écrit alors un certain nombre d'essais tendant à me rendre plus explicite, plus consciente la poétique telle qu'elle pouvait être pour moi. Ensuite de quoi, eh bien, le désir d'écrire poétiquement m'a repris. Cela s'est produit brusquement, d'une façon tout à fait en rupture avec les besoins que je pensais avoir, et je crois qu'il en est toujours ainsi d'ailleurs. Et petit à petit, s'est reformé un espace verbal dans lequel différents poèmes ont cristallisé. Et maintenant, un nouveau livre existe, que je m'apprête d'ailleurs à publier. Musique dans le bras qui la protège, paroles sur des lèvres réconciliées. Oui, par la main que je prends sur cette terre. Et dehors, c'est l'éclair à nouveau, se détachant, criant par-dessous, glissant, décolorant la fin du ciel dans les pierres, passant à gué le peu profond ruisseau parmi les pierres. Si le nouveau livre existe, comme je vous le disais à l'instant, c'est parce que l'existence a changé. Alors il est naturel de supposer que le moment où un livre s'achève, c'est aussi celui où, dans le devenir de la vie, on a atteint une certaine étape, un point qui est comme une naissance à soi-même. Vous savez, nous avons plusieurs naissances. On est d'abord à la vie, et puis ensuite à 18 ans peut-être, on est à la conscience de soi. Et puis à 30 ans peut-être, on est à la finitude. On comprend qu'on est en train de choisir les grandes formes qui décideront de votre vie. On entre vraiment dans l'existence limitée. À l'âge que j'ai maintenant, c'est encore une naissance. Je ne voudrais pas la définir, mais... c'est précisément elle, peut-être, qui apparaît dans ce livre qui s'achève. Oui, par la beauté, nue, avec du déchiré, du fort clos, dans le mouvement de l'épaule. Oui, en toi, arrêté, au guet du ciel, foudre, robe entrouverte, sur l'abondance de la terre, aux fruits obscurs. Nouvelle et ultime étape du voyage, ce lieu de Haute-Provence, essentiel pour Yves Bonnefoy. Lieu unique, habitable, comme le toit du monde, et qui est au centre de ses derniers livres,
mais que ses livres plus anciens avaient, dit-il, déjà pressenti. Il y a longtemps, j'avais imaginé l'existence pour chacun de nous d'un vrai lieu, c'est-à-dire d'un point de l'univers dont la couleur, l'horizon, la disposition des arbres et des eaux, les monuments, que sais-je, correspondaient de façon véritablement nécessaire et intérieure à ce que nous pouvions être et désirer du monde, si bien que nous retrouvant là, nous aurions réussi à nous établir dans un état de transparence par rapport à l'être. Et chacun de nous aurait eu ainsi son vrai lieu, quelque part en Afghanistan peut-être, en Bactriane, que sais-je. La fonction du voyage aurait été justement de le retrouver. J'imagine souvent, au-dessus de moi, un visage sacrificiel dont les rayons sont comme un champ de terre labouré. Les lèvres et les yeux sont souriants, le front est morne, un bruit de mer lassant et sourd. Je lui dis, sois ma force, et sa lumière augmente. Il domine un pays de guerre au petit jour, et tout un fleuve qui rassure par méandre cette terre saisie, fertilisée. Et je m'étonne alors qu'il ait fallu ce temps et cette peine, car les fruits régnaient déjà dans l'arbre, et le soleil illuminait déjà le pays du soir. Je regarde les hauts plateaux où je puis vivre, cette main qui retient une autre main rocheuse, cette respiration d'absence qui soulève les masses d'un labour d'automne inachevé. Nous savons bien qu'il n'y a de rêve qu'incarné, de regard sur le monde qu'en accord avec les données du monde, mais nous pouvons imaginer que cela existe là-bas, de l'autre côté de l'horizon, ce qui nous dispense de faire l'effort, de travailler sur les données de notre existence les plus proches. La Terre est notre mère, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un peu comme si nous lui demandions de nous passer tous nos caprices. Mais je crains bien que si nous voyageons dans cet esprit, pour trouver ailleurs ce que nous devrions résoudre ici même, eh bien, le voyage ne soit qu'une adolescence continuée indéfiniment. Notre voyage s'achève. Ici et jusqu'au soir, la rose d'ombre tournera sur les murs. La rose d'heure défleurira sans bruit. Les dalles claires mèneront à leur gré ses pas épris du jour. Cher Jean-Pierre Prévost, je voudrais que nous cessions maintenant de parler ainsi, à bâton rompu et sans possibilité de conversation prolongée ou de retour sur la chose dite. J'aime m'entretenir, croyez-le, avec des amis comme vous, des problèmes qui nous importent, et j'ai déjà formulé par écrit assez de pensées incertaines ou obscures pour ne pas trop m'inquiéter d'en venir à d'autres semblables devant vous. Mais nous n'avons pas la possibilité d'être tout à notre souci devant ces machines. Et il y a aussi qu'elles donnent du rapport de la conscience à soi-même une impression fausse que je voudrais essayer maintenant de dissiper. Nous avons parlé et la caméra et le magnétophone vont paraître avoir capté la vérité de l'instant. Mais du point de vue de la poésie, qu'est-ce qu'un instant digne de ce nom? La plupart du temps, les échanges d'idées nous privent de ce reflux brusque vers notre centre, tandis que les grandes choses constantes de la nature vivante, tout intemporelles qu'elles paraissent, nous émeuvent au contraire, nous révèlent ce qui importe, nous reconduisent donc à notre vérité menacée. Je me sens, sur cette terre d'ici, profondément chez moi, profondément en accord. C'est presque le vrai lieu que nous avons évoqué. Et dans ce presque, où se signifie l'impossible, il y a encore du sens, il y a peut-être tout mon sens. Ajoutons donc quelques images de cette arrière-Provence à ces souvenirs de notre rencontre. Elles diront que l'on n'écrit jamais poétiquement que sous le signe d'un monde, au dehors de soi.
Elles diront que la poésie n'est pas l'imaginaire, qu'elle n'est pas la simple écriture sur page blanche. Et la télévision a tout de même un grand pouvoir bénéfique, si elle peut aider par ses moyens propres à faire entendre cela aujourd'hui. Donnez-moi la main et fuyons. Reprenons notre route. Le roi Lear est vaincu, lui et sa fille sont prisonniers. Allez, reprenons notre route. Bien. Allons-nous-en en prison. Et entre Paris, la Haute-Provence et la région niçoise. Ici, toujours ici, pierre sur pierre, on bâtit le pays dit par le souvenir. À peine si le bruit de fruits simples qui tombent enfièvre encore en toi le temps qui va guérir. C'est par l'arrière-pays de Nice que débutera notre voyage, en ce lieu provisoire où réside le poète. Eh bien, félicitons-nous d'abord qu'il fasse beau aujourd'hui. J'étais un peu inquiet quand vous m'avez annoncé votre venue, car nous avons eu plusieurs semaines de pluie torrentielle, vous savez. Nous deux tout seuls chanterons comme des oiseaux en cage. Quand tu me demanderas ma bénédiction, je me mettrai à genoux et te demanderai pardon. Et ainsi vivrons-nous en priant et chantant, et nous racontant de vieilles légendes, et rayant aux papillons d'or. Nous écouterons de pauvres diables parler des nouveautés de la cour. Et nous aussi, nous parlerons avec eux de qui perd et qui gagne, de qui est en faveur et de qui est tombé en disgrâce. Nous prendrons sur nous d'expliquer le mystère des choses. Ceci est un extrait du Roi Lear, réalisé par la télévision dans une traduction d'Yves Bonnefoy. Traducteur exemplaire du théâtre de Shakespeare, auteur d'essais sur l'histoire des formes et des moments de la poétique, Yves Bonnefoy est d'abord et toujours un poète. Il est né en 1923 à Tours. Après des études de mathématiques et de philosophie, il voyage, en Italie surtout, s'intéresse à la Renaissance italienne, au baroque. Il publie « Du mouvement et de l'immobilité de Douve » en 1953, puis « Hier rayant désert »,« Pierre écrite » et « L'arrière-pays ». Il collabore à la revue L'Éphémère, écrit un essai sur Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, il s'apprête à publier dans Le Leurre du Seuil son nouvel ouvrage. Yves Bonnefoy partage sa vie de neige aussi. Et de neige aussi. Or, d'une part, je ne pouvais pas vous recevoir chez moi car je n'habite pas dans ce pays. Je suis là avec simplement quelques valises et quelques livres. Et d'autre part, je tenais aussi beaucoup à vous emmener ici dans cette campagne car je l'ai fréquenté à plusieurs reprises et... Quand je suis ici, quand nous sommes là, il me semble qu'une expérience est très immédiate s'impose à nous. C'est celle de l'unité, de tout, non ? Le vol de l'oiseau et la germination des graines, ça fait une seule chose et tout signifie à partir de cette unité profonde. Et alors, c'est la poésie qui l'exprime. Il y a des poèmes dans lesquels...